Vous pensez savoir où je suis, mais vous n'en avez absolument aucune idée. Salut tout le monde, c'est Kilo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de DayZ. Alors, peut-être que certains d'entre vous savent où je suis, qui sait. Il s'agit d'une nouvelle map, encore une fois, en moins de 24 heures de nouvelle map. Cette fois-ci, il s'agit du test, donc une map qui existait dans Arma 2. C'est une toute petite île, et ça commence à tirer déjà, mon dieu. On m'a dit que c'était une map PVP, qu'il n'y avait que des enflures, et qu'il y avait de la place que pour le PVP dans cette map. Donc, vu le nombre de joueurs au mètre carré, et vu la taille de la map, voilà quoi, je pense que ça va vite tourner au Blood Bowl, hein, ça va vite être du sang partout. Donc je viens d'arriver, vous pouvez le voir, le serveur est de nuit, donc la vidéo sera de nuit. Je m'excuse si ça en dérange certains, mais ce sera comme ça, donc vous êtes prévenus. Mais je trouve ça plutôt immersif. Par contre, vu que je connais pas la map et vu que c'est une vidéo... Oh, ils sont sérieux là, ça... Putain, ça tire. Ça tire de ce côté-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a un airfield en plein milieu de la map. Là, c'était une île isolée. Il y a un... Attendez, il y a un cadavre ici. Ça sent pas bon tout ça, franchement, les tirs, les mecs qui meurent comme ça... Ça sent pas bon. Flashlight, il a rien. Dans son sac, il n'a rien non plus. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment installer cette map. Pour ceux qui veulent le savoir, vous en faites pas. Il y a un joueur là-bas. Ok, c'est bon. Il a pas d'arme. Par contre, les tirs, ça me rassure pas. J'éteins ma lampe parce que ça sent pas bon tout ça. Je sais pas où est-ce qu'il va parce que l'île m'a l'air fermée ici. J'ai vu vite fait sur Google Images de quoi avait l'air la map. C'est vraiment un gros cercle. Et à l'intérieur, il y a un airfield. Et il y a deux villes. Une au nord, une à... Ça tire juste un coup. Je sais pas si ça me tire. Arrêtez. Il me tire dessus. Ouais, c'est sur moi qui tire, il est juste là. Ah non, c'est pas sur moi qui tire. Ah, putain, faut pas qu'il me voit. Faut pas qu'il me voit. Et c'est la chasse à l'homme, c'est du spawn kill. Je pense qu'il y a qu'un seul spawn sur cette map en plus. C'est un peu dégueulasse, vu que voilà quoi. Le spawn, c'est la petite île là-bas, vu qu'elle est super petite cette map. C'est quoi là-bas? Il y a un phare. Arrêtez de tirer, arrêtez, on est potes. Arrête, arrête. Est-ce qu'il a une arme lui? Non, non, non. Il n'y a pas de cadavre avec une arme, je pense. Ça tire de partout dans cette map. L'objectif va être de trouver l'airfield, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une île d'enflure. Hein. Il n'y a que du PVP. Ça tire de ce côté-là. Avec une autre arme. Personne n'hésitera à me descendre, ça c'est sûr et certain, c'est garanti. Donc faut vraiment que je reste en mode sneak jusqu'à ce que je trouve une arme, si jamais j'en trouve une. Comme c'est une nouvelle map, voilà quoi. Je pense que les loots, ça fait la même chose que sur tous les serveurs. C'est super lent à respawn. Mais bon, sait-on jamais. On m'a dit qu'il y avait la blinde de crash d'hélico. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai l'air d'être sûr de moi, de savoir où je suis, mais croyez-moi, je sais absolument pas où je suis. Le mec, il était en train de sniper avec son FN Fall, hein, il était là. C'est juste une petite île en fait. Le mec il est là en train de spawn kill. Enfin je sais pas. J'ai dit spawn kill mais peut-être qu'il y a plusieurs spawns. Parce qu'en fait en me connectant au serveur j'ai vu le message d'accueil no spawn kill. Donc je me suis dit spawn kill. Pourquoi il le précise spécialement? Ici on a une petite maison. Est-ce qu'on peut l'explorer tiens? Non en fait on va pas explorer Côte d'Al vu que les maisons ça m'intéresse pas. Moi je vais aller à l'airfield. On a une route. Vers où est-ce qu'elle mène? Bon bah écoutez, on va la suivre. Et puis voilà, on n'a pas trop l'occasion de voir à quoi ressemble concrètement la map vu que c'est de nuit. Mais vous avez votre petite idée, il suffit de taper UTS sur Google Images et vous avez la taille de la map, elle est vraiment minuscule en fait. Juste la place pour un airfield, un petit village en haut au nord et un petit village au sud. Avec le dernier patch normalement il y a eu... D'ailleurs c'est pourquoi on voit ces arbres lumineux? Non c'est juste un bug en fait, quand on s'éloigne on les voit lumineux. Quand on zoom, ils sont sombres, c'est n'importe quoi. Mais depuis le dernier patch, les hélicos ont des flares, enfin des roues de flares à côté. Donc on les voit de super loin normalement, les crashs d'hélicos. On m'a dit qu'il y en avait beaucoup, mais j'en vois pas pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment stressant hein, de jouer de nuit comme ça. Je vois un airfield là. Ah, je vois un airfield là-bas. Bon bah, c'est parti. Je pense d'ailleurs que c'est le seul airfield de la map. Enfin, airfield, je vois des hangars quoi. Et ça sent pas bon. Vu que le serveur est bourré de 40 joueurs, que la map est hyper petite, ça sent vraiment pas bon. Le mec, oh, je le vois, il est là-bas. Je sais pas si vous le voyez, mais il est là-bas, juste au-dessus de ma tête, là-bas. Le mec avec le FN Fall. On voit un petit point bouger, je sais pas si c'est lui ou pas. On s'en fout en fait, je vais pas le savoir.
parce qu'il avait pas l'air très friendly. J'espère vraiment qu'il y a personne là-bas, mais ça m'étonnerait. Et surtout qu'il y ait des armes, quoi. Surtout qu'il y ait des armes. Et puis, vous en faites pas, hein, j'en ferai plusieurs vidéos de cette map. Je vous montrerai ce que ça donne de jour. Et puis, j'espère que la vidéo dure un bon petit moment, quoi, parce que je risque de me faire shooter à tout moment. Ça nous a annoncé la couleur au début de la vidéo avec le mec qui tirait partout. Et la nuit, je le sens vraiment pas. Par contre, comme je vous l'ai dit, vu que les loots mettent 14 ans à réapparaître, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde avec des visions nocturnes ou avec des L85. C'est à voir. C'est à voir, il devrait avoir plutôt pas mal de difficultés pour me spot. Mais ne sait-on jamais. Je vois pas de crash. Ah, y a quelqu'un juste ici? Ouais, c'est un joueur. Je vais pas parler sur le chat, je veux pas qu'on m'entende s'il y a quelqu'un là-bas. Oh. Fuck, we're being shot. Ok. Ok. Yeah, that was my DMR. I'm gonna fucking reclaim it. Ah, il a dit que c'était son DMR, il veut le récupérer. Alright, we're being shot. Just. Holy shit. Il a été touché. Is that your DMR? Ok, il s'est fait shooter. Il s'est fait shooter. Il va descendre sur moi là. Je me casse d'ici. Hop, je me casse d'ici. Dans le noir, dans l'ombre. Il va vouloir descendre pour me buter. Stop, fucking sniper. Arrête-toi. Petite enflure. Je vous l'ai dit, c'est... Oh, putain, je suis coincé. Vous regardez les balles siffler. Arrête, tu ne toucheras pas. Allez, allez, allez. Hop, il va comprendre mes mouvements. Faut pas que je fasse des mouvements trop réguliers. Allez, on évite comme ça, on continue, après hop, je zigzague, de toute façon je vais l'embrouiller, il va rien comprendre. Faut jamais faire des mouvements réguliers, genre gauche-droite, il va juste prendre un petit mot. Ah, regardez les balles qui sifflent. Comment il fait pour me... Arrête! Comment il fait pour me voir ici? Mais va te faire foutre, fils du Mordor. Tu parcours la terre et le ciel, en espérant avoir Aikidu. Par contre là, il va me voir dès que je vais quitter ces buissons. Fuck, c'est avec l'herbe qui me voit. C'est avec l'eau qui me voit en fait. Ça dessine ma silhouette. Il va m'avoir là. Vous savez quoi, je vais essayer de l'embrouiller avec la lampe. Vous pensez que ça l'embrouille? Non, ça l'embrouillera pas, ça fera juste me spot. Ah, il y a le FN Fall qui tire à droite, je l'avais complètement oublié. Mon dieu. Mon dieu. Le mec à peine le... Putain, j'ai pitié pour l'autre mec là. À peine il m'a dit salut. À peine. Stop it, motherfucker. Il va m'avoir là. Arrête! Ah, il est nul, c'est un manchot en fait. Putain, il va me traquer. Arrête! Il me traque! Mais tu vas arrêter, oui! Il est où? Ah, la punch à la fois! Il est où? Putain, je me casse d'ici. Et le mec, c'est un serial killer. C'est bon, oh, fais pas chier, j'ai juste une lampe torche. Au pire, tu me tues, je réapparais et puis on en reparle plus, quoi. Putain, je vous l'ai dit, les mecs, c'est des. Faut pas que je m'arrête, je m'arrêterai pas. Et en plus pour me poursuivre il va sprinter, donc il va trembler. Donc je l'emmerde, voilà, ça c'est fait. Je crierai pas victoire, je suis sûr il va me traquer jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis sûr et certain, donc je m'arrêterai pas. Mon but sera de me barrer le plus loin possible. Putain, la montée d'adrénaline quoi, la montée d'adrénaline dans cette map. J'ai le cœur qui bat à 14 000 à l'heure. Mais je me demande comment il a fait pour me rater. Il a pas raté l'autre là. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu pitié pour lui. Si vous avez pas entendu ce qu'il a dit au début, il a dit c'est mon putain de DMR et je compte bien le récupérer. Moi je dis il a très bien récupéré. Et c'est... Ah, il y a un crash d'hélico là-bas. C'est un piège à rage, je vais juste me faire descendre comme un con. Pensez qu'il y a une chance. Non, impossible qu'il y ait des loots là-bas. On va essayer, de toute façon. Il y en a peut-être un ici, pourquoi il y a de la... C'est juste la lumière de la lune, je pense. Ouais, je vais pas retourner vers là-bas en fait, c'est vers là-bas qu'il y avait le mec. Donc je vais plus aller par là. C'est n'importe quoi cette map, je sais pas s'il m'attraque toujours l'autre psychopathe là. Il y a un joueur, est-ce qu'il est armé? Je vois pas d'armes, je ne vois pas porter d'armes mais... Ne sait-on jamais, là on arrive à la limite de la map encore une fois. Je vais crash, voir qui c'est, qu'est-ce qu'il a comme équipement. Ok, il a juste l'air d'avoir un grand sac et peut-être une arme, je sais pas. Je vais essayer de... Oh, on est toujours mieux à deux. Il me servira de tir à canon. Il m'a vu, je pense. J'espère qu'il est pas armé. Je sais pas, j'hésite.
Hey, what's up? Merde, j'ouvre toujours ma carte au lieu de changer de channel. Ah, il s'est téléporté. What's up, bro? Hey, what's up? Do you hear me? What you do? I don't hear you. Laggy. Yeah, it's freaking laggy. Ça lag, donc... je lui demande s'il m'entend. Is it okay now? Ok, il se téléporte. Non, laissez tomber. Le serveur bug, en fait. What's up, bro? Bon, oh, tant pis. Il avait l'air sympa. Le serveur lag, on va aller chacun de notre côté. Ça aurait été sympa d'être à deux, je pense. C'est un peu plus sûr, mais bon, c'est pas grave. Vu que c'est la limite de la map, je vais retourner vers le crash d'hélico. Mais un crash d'hélico... Je vous l'ai dit, il faut vraiment regarder la taille de la map. Elle est vraiment minuscule, quoi. Mais je veux dire, c'est... Comment je pourrais vous décrire ça au niveau de DayZ? À quoi ça ressemblerait? Bah, je sais pas, en fait. C'est limite aussi grand que la map où on a l'hélico sur Tchernarus, quoi. Que la petite île où on a l'hélico. On commence avec un psychopathe. J'espère que je trouverai une arme, parce que croyez-moi... Croyez-moi, ils passeront un sale moment. À la limite, les mecs qui sont pas armés, et encore. C'est vraiment une map PVP, hein. C'est limite du deathmatch. Y a pas de survie, y a pas de campement, y a rien. C'est... je te tue ou tu me tues, quoi. On est potes pendant un moment quand on apparaît comme ça, quand on a toutes les deux des lampes et quoi. Mais le mec au DMR, il m'a bien fait flipper ce petit salaud. Je vous rappelle que je vous montrerai comment jouer sur cette map à la fin de la vidéo, parce qu'il n'y a pas besoin de l'installer, en fait. Il y a un autre crash là-bas, il est beaucoup plus loin celui-là, on va l'explorer, on sait jamais. Il y en a deux en fait. Ah, lui c'est celui que j'avais vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des joueurs à côté. Il y a un mec qui court vers le crash. Oh, je vais essayer de m'approcher dans le pire des cas. Mais ça sent trop le sniper. Je pense que... Pff, ouais. Il y a des mecs qui aiment bien sniper et... Je pense qu'un spot comme ça, ce serait idéal, quoi. Ah, ça tire en plus. Ça tire, je pense que c'est plus vers le deuxième crash d'hélico, je sais pas. Le tir était lointain. Ouais, j'en suis presque persuadé. Ah, c'est l'airfield ici. Ah, on est à l'airfield, d'accord. C'est pour ça qu'il y avait... oui, je confirme, c'est bien par là que venaient les tirs. Opération infiltration à l'airfield, mesdames et messieurs. Je vais essayer d'y aller en scred. Vous pensez que j'ai une chance de trouver quoi que... Non, il n'y a rien au crash d'hélico. Hein. Non, il n'y a rien. J'en suis persuadé, c'est juste une opération suicide. Mais... les coups de feu, c'est vraiment pas rassurant. Il y a un zombie juste ici. J'espère que c'est pas des zombies uber cheatés qui nous spotent même quand on est accroupi dans l'herbe. Vous voyez un peu le feed en bas à gauche, quoi. Le nombre de morts qu'il y a. C'est abusé. Est-ce qu'on peut rentrer? Non, il y a une clôture complète. Ce que je déteste quand je joue de nuit, c'est de mourir instantanément. Genre, vous entendez juste la balle. Juste une grosse frayeur et vous, you are dead, quoi. Nope, ça c'est de... Merde, il m'a spot. Ça c'est depuis le dernier patch qu'il y a des Rodefeller, enfin des... Voilà quoi, des fusées de détresse à côté des crashs d'hélico. Je me demande ce que ça donne sur Tchernarus, quoi. Quand on va au nord, pas loin de la concentration de crashs d'hélico, ça doit être assez abusé. J'ai vu un mouvement là-bas à côté du crash. Ouais, il y a beaucoup de mouvements là-bas. Est-ce que les zombies... Putain, je... Merde, il est où? Putain, mais il est sorti de nulle part. Petit enfoiré. Eh hey merde, je me fais tirer dessus. Je sais pas avec quoi, mais c'est pas très puissant. Je me demande avec quoi il m'a tiré dessus. Comment ils font pour me voir ici? Putain, c'est le parfait guet-apens, cette map. Et je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le centre de la map. C'est là que tout se passe, en fait. C'est vraiment une zone PVP. Donc mon but, bah, ce premier épisode, c'était vraiment de vous montrer un peu le contexte. Je pense que ce sera pas une longue vidéo. Probablement 10-15 minutes. Oh god, please no. I don't have weapons. I'm friendly too. Okay, wait. Please, I will bandage your wound. All right, no, thank you. Stop. I want. Okay, thank you very much, dude. I'm happy. Don't worry. Oh, that's really appreciated. Do you hear me? Ah, he's excusé. Run away. Okay, thank you. See you. Ah, c'est lui qui m'a tiré dessus, en fait. Follow me if you want. I'm going away with this shitty place. Okay, I'm following you. I'm doing a YouTube video, so thank you very much. Don't I just have my I flashlight.
I just have my flashlight, so don't worry. I won't shoot you. Run. I'm running, go ahead. Le mec, il a l'air sympa. Ça tombe bien, il a un M16. Watch out, there's a guy with a DMR. He was shooting at me, he just killed my friend, so watch out, there's snipers. Don't worry, we are going away from this shitty place. Yeah, yeah, let's get the fuck away. I'm new to this map, I just logged in to this map. Oh, and... don't worry, me too. Alright. C'est bien de trouver un mec sympa parce que 95% des joueurs sur cette map font que du PVP. C'est lui qui m'a tiré dessus et il est venu s'excuser. A fucking idea where I'm going, bro. Alright, no problem. I saw the map of the server. There are the airfield on the middle of the map and a town on the north and another one on the south. So only the airfield and two towns. This is really a PvP map, you know. There's not much. There's not much to explore. Only two towns and an airfield on the middle. So only kill. Yep. Yeah. So the. Damn it! You need a weapon. Yeah, I really need there a weapon. The only place near. Yeah, so there's a crash site. I'm gonna look for the crash site, yeah. So just cover me. I don't want you to die, because I'm gonna feel bad if you die because of me. No problem. Okay, thank you. Just stay hidden. If I die, there's no problem, because I don't have anything, but I don't want you to die with your M4, you know? So just stay hidden. Mm-hmm. Je m'excuse pour ceux qui parlent pas anglais. Il me disait qu'il connaissait pas trop la map, je lui ai expliqué qu'il y avait deux villes et un airfield au milieu. Et je lui ai dit de se cacher, je voulais pas qu'il crève par ma faute, parce que voilà, quoi, j'aurais sa mort sur la conscience. Et vous voulez pas que j'ai sa mort sur sa conscience, j'aime pas tuer les mecs sympas comme ça. Même si je trouve une arme, voilà quoi, je suis free que dalle. Parce que c'est un mec sympa. Watch out, there are freaking snipers everywhere in this map. Stay low, man. Yeah, stay low. Okay, DMR. Shit! Watch out, DMR. Run. Run out far from the light. Run far from the light. Don't stay on the light. And zigzag. move. Don't stay on a straight line. And he's in front of us. Right in front of us. Right in front of... Ah! No, don't shoot. In front of us. Do you see him? I'm lighting him up. Yeah. Right there. He was shooting at us. Okay, on l'a eu. Nice. Good job. That's a freaking good job. Don't loot him. Stay hidden. There's another one. Stay hidden, dude. Stay hidden. I'm gonna take care of the of his weapons. Stay hidden. We don't wanna get shot. Là, c'était un magnifique jeu d'équipe. Oh shit, zombie. All right, zombie. I have a weapon. We can move. Fuck, move. Session perdue. Ah non, ils sont sérieux là. God damn it. Pourquoi session perdue? C'est con ça. Fuck. Non. Pourquoi session perdue? Oh, putain, ça me saoule. J'aime pas ça. On était en pleine action, je m'étais brisé une jambe. J'ai même plus envie de retourner in-game. On était en plein dedans comme ça, ça te casse tout le trip. Ok, c'était ce serveur là où on était. On va essayer d'y retourner, mais je ne vous promets absolument rien. Donc je vous dis à tout de suite, les gens. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Why is the admin being a faggot? Yo, why you keep resetting, bro? Because the admin's a faggot and tries to keep on getting his stuff back every time he dies. Ok, je sais pas si vous avez entendu, mais ils sont en train de parler. C'est le mec a reboot le serveur. Ok. Eh merde. Admin kick, voilà. Il m'a kick, je sais pas. Pourquoi il m'a kick, je sais pas. Ah, c'est peut-être lui qu'on a buté, je pense. Ouais. On a buté l'admin, du coup, il nous a banni. Bon, eh bien, écoutez, vous savez quoi, on va se quitter sur, voilà, quoi, sur cette pathétique image de ban par l'admin qu'on a tué. J'espère que j'aurai gardé mon arme rien que pour le... Enfin, j'aurai gardé son arme rien que pour le faire chier. On verra au prochain épisode de cette map. J'espère que vous aurez apprécié. Je suis vraiment déçu du fait qu'on n'ait pas plus continué que ça. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit il est juste en face de nous. J'ai éclairé avec ma lampe et mon nouveau pote l'a descendu. Donc j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est vraiment pas de ma faute que ça ait coupé, hein. Le mec nous a kick dès qu'on l'a tué.
vu que c'est son serveur. Mais c'est pas grave, je veux vraiment votre avis sur la map. N'oubliez pas, je veux votre avis sur le jeu. Et si vous voulez la suite, dites-le moi en commentaire, laissez un petit pouce bleu. Et à bientôt pour le prochain épisode. C'était Aikilio, bye tout le monde.